Les malfrats, 26 malfrats au total, des opérations différentes. Il y a 16 braqueurs et agresseurs en même temps. J'ai dit ils sont braqueurs et agresseurs en même temps. Ils ont barré la route. Ils mettaient des gros bois sur les axes pour stopper les véhicules et motos et les arnaquer. Et entre-temps, il y a un plaignant qui va se présenter à vous pour donner un peu ce qu'il a vécu, qui a été agressé. C'est un officier, un colonel de l'armée des terres qui a intervenu pour stopper un peu la situation et il a été agressé jusqu'au domicile. Il va témoigner lui-même. Djumta, j'habite le quartier Waléa Djaray. C'est un phénomène qui s'est déroulé depuis près de 2 ans déjà que ce phénomène se déroule au niveau de notre quartier. Avec la complicité de 2 cabarets. Tous les week-ends, c'est-à-dire à partir de vendredi, samedi et dimanche, à partir de 17h, on ne peut plus avoir l'accès pour traverser ou aller quelque part dessus. Et à chaque moment, on intervient pour les faire partir, ils refusent et ils nous menacent. Même les petits-enfants, quand on les envoie à la boutique, ils ramassent leur argent et ils les tabassent. Un passager, quand tu voudrais forcer pour traverser la route, ils vont te taper comme tu ne peux pas. Donc ce phénomène s'est déroulé près de 2 ans déjà. Nous avons fait informer les autorités locales pour prendre les dispositions. Et maintenant, je crois qu'il faut apprécier la prompte réaction de la gendarmerie qui a fait un travail impeccable, très impeccable. Et nous ne devons pas céder. Nous ne devons pas céder à ces jeunes-là. Parce que c'est une complicité qui ne dit pas son nom. Et ce que je voudrais aussi appeler la population, les gens du quartier, à se mettre à la disposition de la force de sécurité pour faire stopper ce phénomène. Parce que c'est un phénomène très dangereux. Hein? Dans une ville, on ne peut pas traverser, on ne peut pas circuler. Parce qu'il y a des gens qui se font super. Je crois qu'il faut qu'on arrête ce phénomène. Voilà ce que je voudrais dire en ce qui concerne ces jeunes de Waléa. Nous avions différents malfrats ici présents qui ont commis plusieurs infractions graves. Je le dis bien, dans le respect de la loi. Le ministère public dont je représente est saisi pour de leur infraction. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur.